Et je peux attraper le, ok? Ça me gratte le tête. Ah, c'est magique. Fais attention parce qu'il est cassé. Ne fais pas trop. Mon pied. C'est quoi ce nouvel? J'ai dit qu'il était cassé. Bon, oh, c'est là. Allez, pas de soin. On me voit? Oui. Hey, c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins pour le tag. Et mon oublié le principal. Il faut un gros pull où tu mets tes bras. Je dis heureusement que t'aimes pas les filles. Hein. Pas comme ça. Salut. Ok. Tu peux y aller. Hey, c'est Florence, aujourd'hui. Mon dieu! Aujourd'hui, je vous rejoins pour le challenge. Moi aussi, je pleure. Et suis mes larmes. C'est trop. Non, je vais. Hey, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous rejoins pour le challenge. Not my arms challenge. Donc, nous avons une petite personne derrière moi. La minuscule. Qui va s'occuper de me maquiller délicieusement, ça va être merveilleux. Donc voilà, je vous présente Marvin, qui ressemble légèrement à Hitler, mais c'est parce qu'il est allemand. Pourquoi tu te frappes? Pourquoi moi? Bref, donc on va commencer. Marvin, veux-tu bien ne pas regarder le maquillage? Et piocher des choses. Donc oui, voilà, c'est bien. D'abord une base. Ça, c'est un fond de teint. Et arrête de regarder, je te vois, sinon je te mets le truc, hein. Oui, il faut bien que je fasse mes cheveux. Et la base. Attends, non, d'abord, il faut que tu m'attaches les cheveux. Pourquoi faire? Bah, parce que j'ai les cheveux plein la tronche. Doucement, parce que... On m'a même fait d'attacher les cheveux. Ça change tout. Bon, attends. Je sais pas, un chinois. Un est dans une camisole. Là, donc, on oublie la base, hein. On va tout de suite commencer par le fond de teint. On va prendre le Nude Illusion de chez Catrice. Mon dieu! Il est tellement vieux qu'il pue. Voilà, on est bien. Voilà, parfait. Ensuite, on va prendre un anti-cerne. Donc, je suis pas un anti-cerne, Marie. Non. Non. Tu peux pas regarder trop mal, allez. Non, ça roule la lèvre. Non. Arrête de regarder, je t'ai dit. Je te jure que je vais te mettre le truc, hein. Viens avec moi. Viens avec moi, allez. J'arrive pas à le déplacer. Bon, j'ai peur. Allez, hop. Ils sont très bien. Ah, puis pas assez fort. On va mettre l'anti-cerne tout doucement. C'est de l'anti-cerne? Non. C'est une base. J'ai cru que t'étais censé mettre avant le fond de teint, mais c'est pas grave. On va mettre sur les boutons aussi. C'est connard. Bon, attends, viens. Oh, c'est quoi? C'est une petite brioche, ça? Non, j'ai pas de petite brioche, connasse. Oh, le t-shirt. Il est où le fait? Il est où le tête? Tu parles comme ta mère. Voilà, donc on a mis le cache-yeux sur Marvin parce que c'est un gros tricheur. Et il va me rattacher les cheveux parce que du coup, ben, je suis coiffée. Ouais, mais j'ai du fond de teint sur le tête. C'est pas grave. Voilà. Ok, c'est bon, c'est fini. Donc maintenant, on va passer au blush. Il nous faut un pinceau à blush. Jusqu'où les bras. Et un blush, donc choisis un blush. Ok, choisis un blush. Il est dans mon sens. Alors, tu vas mettre ça dans le creux de mes joues. C'est bon, là. Mmh. Je peux tenir un poteau. T'as envie de se monter les joues. Là, le creux est juste là. Mon dieu. Mon dieu. J'ai peur. Là. Voilà. C'est tout? Tu veux juste t'en mettre partout ou quoi? Bah, je sais pas, mais... Non. C'est mes oreilles. C'est tes joues, ça? Oui. Excuse-moi, je suis pas boudinée comme toi. Voilà, donc on a mis du bronzer. Maintenant, on va mettre un peu de blush rose pour donner de la joie à mon visage. Exactement, c'était parfait. Oui. Toi? Non, c'est pas rose, oui. C'est pas rose, j'ai les yeux bandés. Quand bien même. Attends, c'est l'autre côté qu'on a.
Ah. C'est dans mon sens ? Oui, oui. C'est très beau. Oui, je sais. Oh, Jésus. Vas-y, donc tu mets ça sur le haut de mes joues, sur les pommettes. Voilà. Parfait. Pour donner un air un peu plus joyeux, un peu plus réveillé. C'est une belle pommette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer aux yeux. Donc les yeux, il faut d'abord mettre une base sur la paupière. À droite. Devine à quoi ressemble la base. Vas-y, Morville. C'est pas une base, comment veux-tu que ce soit une base ? Qu'est-ce que j'en sais, je me maquille pas. À gauche, c'est le truc que t'as attrapé que tu crois que c'est un dentisseur. Bon, il y a une grappe. Voici la base pour les paupières. Là, j'ai peur, je vais fermer les yeux, c'est pas possible autrement. Voilà, tu mets ça sur la paupière, pas trop. Attends, je cherche tes yeux. Voilà. Sans appuyer comme un psychopathe. Bon, elle est où ton paupière ? Tu tournes la tête là ? Non. Bah tourne la tête. J'ai touché ta paupière au moins au premier coup. Non, arrête. Ah, je vais mourir. Maintenant tu peux étaler hein. C'est la triche, toi tu peux te voir. Je me vois pas les yeux fermés. Attends. J'ai pas. Et faire, c'est quoi? J'en sais rien, étale d'abord sur mon œil, t'en as mis partout. Ah. J'ose pas les ouvrir. Mais non, mais les ouvre pas quand j'ai mes doigts dessus. Voilà. Mais je... y'a rien là. Je sais. Mais oui, j'en ai mis où? Sur la serre. Hop, hop. D'abord, on va prendre un pinceau pour les yeux. Et on va mettre... Putain, j'en perds mes mots, quoi. On va mettre de l'ombre à paupières sur les yeux, maintenant. Donc, on va choisir un truc mais magnifique qui va très bien avec tout. Ah, c'était à droite, oui. Voilà, magnifique. Et on va le mettre sur la paupière. Attends, c'est un petit papier. Bonjour, j'ai trois mains. Attends, je voulais. Voilà. Voilà, donc on va le mettre sur nos yeux. C'est bon ce que je fais là. Parfait, magnifique. Allez, sur les paupières. Bon. Oh, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Genre, écoute, c'est en front, c'est ça. Non, non. Attends. Ça allait, c'était l'œil, hein. C'était une paupière, quoi. C'est vrai. On va s'assurer d'en mettre assez. Je vais devenir aveugle. Attends, rends-moi l'autre. Enfin, le, non. Rends-moi l'autre. Je te rends-moi le donne. Ton œil, connasse. C'est le mien. Ben on va faire un dégradé en fait. Quoi ? Avec les ombres à paupières. Donc on va prendre une autre ombre à paupières. Qu'est-ce que t'as fait à ma base ? Parfait, magnifique. C'est pas du blush au moins. Non, non, c'est pas du blush. Ça se tourne, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Je sais même si ça se tourne, ça s'ouvre aussi. Hein. Oh, c'est quoi ces petits bras là ? Ah. Allez, ouvre ! Allez ! Ah. Parfait. C'est dans le bon sens. Oui, il n'y a pas de sens. Tu prends un pinceau. C'est le pinceau, ça ? Non, tu as fait tomber le pinceau, en fait. Et par là. Par là. Je le dirige avec mes boobs. Oui ! Magnifique ! Donc, on va prendre l'ombre à paupières. Non. Oui. Bah alors c'était pas dans le bon sens. Oui, je t'ai dit non, mais il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Ça va pas s'écrouler. Quoi. Ça va, c'est ton assiette. Tu sais. Et on va le mettre sur les paupières. Et l'autre. Voilà. Merci, Marvin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un eyeliner. C'est par là.
Non, c'est un rouge à lèvres. Oui, c'est un eyeliner. Magnifique. Fais ton, fais ton artiste. Oui. Ok. Doucement, hein, Marvin. Trouve mon œil. C'est pas grave, vas-y. Bouge pas, hein, connasse. Je bouge pas, pardon. Voilà. Je suis comme Picasso. Ah oui, tu mets des yeux à la place des bouches. Ah, yo, je t'ai dit pas trop prier, psychopathe. C'est des yeux, hein. Merci. Donc maintenant, nous allons passer au mascara. Et pour cela, on va prendre un mascara de chez Tubi, je le sais, parce que j'en ai que deux et ils viennent de là-bas. Magnifique. On va prendre. Et on va le mettre donc sur sur mes cils. C'est bien, hein, je sais comment ça s'appelle. Vas-y, trouve mes cils. Ouais, bah c'est pas évident. Pardon, j'ai les yeux fermés. Mais... tu as touché tes cils? Oui. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. T'as éclairé dedans. Bon, comment je fais alors? Il me semble que t'as des problèmes pour le mettre dedans quand même. Ah. Oh. Voilà. Parfait. C'est pas facile. Alors maintenant qu'on a très très bien mis notre mascara, on va prendre le mascara à sourcils qui est sur la droite. À gauche, à gauche, à gauche, oui. Quelque part ici. Non. Non. Tu refroidis, tu chauffes, tu es bouillant. Tu refroidis, tu es bouillant. T'es dessus. Tu l'as. Et on va mettre donc ce mascara sur nos sourcils pour bien définir notre visage, pour qu'on soit vraiment magnifique, quoi, en bref. Vas-y, mets ça sur mes sourcils, je t'en prie. Oui. Déjà, moi, quand je vois, je galère, alors là, je m'imagine même pas à quoi ça doit ressembler. Voilà, on va passer aux sourcils de droite. Je regarde ton bras. Ah ! Je regarde ton bras dans le rendu, j'ai vraiment l'air. J'ai vraiment l'air d'un nain. Et maintenant, on va passer donc à la touche finale, le rouge à lèvres, oui. Pour vraiment nous donner du peps. C'était le fond de teint, Marvin. Je peux mettre du fond de teint sur ma. Oui, voilà, c'est du rouge à lèvres, très bien. Parfait. Oui. C'est bon? Fais attention de ne pas casser. Non, je n'ai pas envie. Oh, tu pouvais le mettre comme ça aussi. Tu sais. Faut juste pas. Assume tes lèvres, assume. Je t'en dis sur les dents. Non, encore. Attends. Vraiment que je prenne des cours de psychomotricité. Frotte ma dent. Non. Frotte ma dent. Voilà, ce maquillage est terminé. On va prendre le miroir sur la droite. Plus. Marvin, enlève avec ton autre main le bandeau que tu as sur la tête. Psychomotricité, ça va le faire. Attends, parce que je pleure. Il pleure que c'est déjà le désastre. Et on va me regarder. C'est quoi cet artiste? Oh mon dieu. C'est que tu m'as mis du mascara bleu. Mais bleu, pourquoi genre bleu clair. Pourquoi t'en as? C'est bien. C'est pour les photos. Évite de m'envoyer le miroir dans la gueule. Et, mais franchement, je trouve que... Non, rien. Si, en fait, regarde le sourcil, il est pas si mal fait quand même. Attends. Regardez le sourcil, il est pas si mal fait. Faut vraiment que je fasse un zoom, attends, on va ça. J'ai ça dans le son. Mais attends, parce que je vais d'abord enlever cette chose qui est tombée entre mes jambes tout à l'heure. Mais elle est trop loin la caméra pour que je fasse un zoom, mais je vais m'approcher. Allez, viens avec moi. Ah. Voilà, donc voici le... C'est que belle position.
le résultat de notre maquilleur professionnel, Marvin. Merci, merci beaucoup. Je me sens vraiment magnifique. C'est quoi? Je rêve ou tu m'as mis du mascara sur le nez? T'as quand même la gueule un peu orange. À fond, ouais, je sais pas ce que t'as foutu. Je sais pas non plus, j'avais pas mis beaucoup. Et la base pro pierre est aussi un peu foncée et tu m'en as foutu partout. T'as l'air d'une vieille drag queen. Par là, au secours. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis tellement sérieux. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, nous on s'est bien marrés. En tout cas, qu'est-ce qu'on pense, Marvin? Super, super, super. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Je suis trop malade.